Bonjour tout le monde, rebonjour tout le monde. Je vous retrouve donc aujourd'hui en fin de journée pour une nouvelle motivation ménage. Comme je vous l'ai dit en ce moment, enfin en fait c'est pas en ce moment, c'est dès qu'on arrive en automne, en hiver, je suis ultra motivée pour le ménage. Alors autant en été, avec la chaleur, je fais vraiment le nécessaire, ce qui est vraiment de base. Mais là, je suis ultra remontée à bloc quand c'est l'automne, quand c'est l'hiver. J'adore faire le ménage, j'adore en fait, c'est même pas je me force, j'y vais volontiers comme ça, je me lance à corps et âme dans le ménage. Et donc si je peux partager avec vous ma motivation, comme je vous disais hier, et ben je le fais. Comme je sais que beaucoup d'entre vous m'envoient des mails pour me remercier pour ces vidéos ménage là. On m'envoie pas forcément de mails pour les autres vidéos, mais en tout cas, enfin, on va dire on m'envoie des commentaires ou des messages pour plein d'autres choses, mais des remerciements de vidéos, c'est surtout pour les vidéos de ménage. On me dit que ça vous apporte, enfin beaucoup m'ont dit, tes vidéos m'apportent beaucoup en termes d'épanouissement, grâce à toi je suis plus motivée, ma maison est mieux, etc. Donc moi ça me fait hyper plaisir, franchement, bref, ça me fait vraiment plaisir. Donc là, on m'avait dit en commentaire une fois, j'ai en commentaire, mais des fois c'est surtout en Insta direct, mais je mélange tout, je mets tout dans le terme commentaire, c'est plus simple. Et donc on m'avait dit, je crois donc en commentaire ou en Insta direct, est-ce que tu peux nous faire une vidéo qui fait l'inventaire un petit peu de tes produits, des produits que tu utilises pièce par pièce. Voilà, donc, tous les produits que j'utilise pour la chambre, tous les produits que j'utilise pour la cuisine, enfin mes favoris, voilà. Donc je me suis dit, c'est le moment ou jamais, aujourd'hui c'est le jour de nettoyage de la chambre, donc je vais partager avec vous mes produits chouchou pour la chambre, tous les produits que j'utilise pour la chambre. Donc tout est là, je vais vous montrer, il y a des produits qui sont nouveaux, que j'ai pas beaucoup testé encore, mais que je trouve pas mal, donc je vais vous en parler. En premier, bon ça c'est un produit que je connais, que j'utilise depuis un petit moment, c'est le produit Briochin pour le sol. Il sent la pêche et c'est un nettoyant pour le sol délicat. Nous on a du parquet dans les chambres en haut. Et donc pour pas abîmer trop le sol, je mets ceci. Nous le vendeur nous avait recommandé de ne mettre que de l'eau chaude, mais il y a des taches qui ne partent pas qu'avec de l'eau chaude et j'ai le sentiment que c'est pas bien nettoyé si je mets que de l'eau chaude. Ouais, il y a des taches qui partent pas. Donc je mets légèrement, je mets la moitié d'un bouchon dans la machine qui est juste derrière, voilà, le nettoyeur laveur. Et avant je mettais ce produit là donc dans mon balai vaporisateur hein, que je vous avais déjà montré. Et il est vraiment top, il respecte le sol, il est vraiment génial et l'odeur elle est très très agréable. Pour les chambres je trouve ça bien, parce que le soir quand on rentre dans la pièce, franchement ça sent super bon. Ça j'utilise principalement, j'utilise même en ce moment que des produits Briochin parce que je les trouve bien, ils me donnent pas mal à la tête, l'odeur est très agréable. C'est des produits qui sont, alors pas tous, mais par exemple celui-ci il est à 97,3% d'origine naturelle, il y en a qui sont à 99,6% d'origine naturelle, donc c'est des produits qui ont quand même des bonnes compositions, c'est pour ça que j'utilise ces produits-là. Voilà, donc ça c'est vraiment un incontournable pour les chambres, en ce moment je n'utilise que ça. Ensuite pour les vitres, et ça fait pas longtemps que je l'utilise, c'est celui-là. Alors là c'est le nettoyant universel de Briochin, il fait pas que les vitres, mais en haut dans la chambre, je l'utilise pour les vitres. Et je trouve qu'il est vraiment efficace, il enlève toutes les traces. Encore c'est pas la pièce où il y a le plus de taches sur les vitres, là où c'est la catastrophe c'est dans les chambres des enfants. Ils mettent tout le temps leurs mains sur les vitres, ils mettent leurs mains dans la bouche, après ils me barbouillent, ça c'est une horreur, franchement je vous assure. La chambre d'Arthur ça va encore, il est plus grand, mais ses frères vont dans sa chambre et ils mettent les mains sur les fenêtres et tout, enfin bref c'est pas... Et ce produit là il enlève absolument tout, je le trouve vraiment très très bien et il a une très bonne odeur. Ensuite donc j'utilise pour la chambre ce produit là, pareil ça c'est un produit que je n'utilise pas depuis très très longtemps, mais il a une odeur juste incroyable, c'est le bicarbonate de soude comme ça en spray. Il est prêt à l'emploi, il est anti-odeur et il sent la verveine, et c'est très rare de trouver des produits qui sentent la verveine, donc quand j'en bois je prends tout de suite, j'adore cette odeur là. D'ailleurs j'ai de l'huile essentielle de verveine, ça sent super bon, ça sent un peu le citron, mais je sais pas, ça ressemble un petit peu au citron. C'est à 99,5% d'ingrédients d'origine naturelle. Bah, en fait c'est principalement que du bicarbonate de soude à l'intérieur. Et il est vraiment génial. Donc ça vous pouvez l'utiliser un peu partout dans la maison. Mais je l'utilise moi sur les meubles de la chambre pour enlever les petites taches qu'il peut y avoir. J'ai des petites taches des fois de maquillage, j'ai des petites taches un peu de trucs comme ça. Donc
Même des fois, la poussière, ça fait des marques, je sais pas, ça me fait des petites taches noires sur les meubles. Donc, bah, ça, c'est vraiment top, ça enlève tout très très bien et ça n'agresse absolument pas le meuble. Et c'est pas nécessaire de rincer, parce qu'on me demande souvent est-ce que tu rinces, tu rinces, tu rinces pas. Ça, c'est des produits souvent sans rinçage, sauf si vous avez un contact alimentaire, c'est-à-dire dans le frigo. Voilà, si vous posez vos fruits à même le frigo ou vos légumes, il vaut mieux rincer, même il faut rincer le produit. Et ensuite, vous pouvez poser vos légumes. Mais sinon, voilà, il faut. Enfin, sinon, vous pouvez l'utiliser sans rincer. Donc, de toute façon, là, je vous fais dans la foulée ma motivation ménage, donc pour la chambre. Je vous montrerai comment j'utilise les produits. J'ai aussi besoin, donc, pour le nettoyage de la chambre, de lingettes comme ceci, microfibre. J'ai pas de marque de préférence. J'en achète un petit peu partout, que ce soit à Action, que ce soit en grande surface, chez Babou, j'en prends partout. Et voilà, et celle-ci, je ne sais plus, je crois que c'est des Action. Donc, j'utilise tout le temps des lingettes microfibre pour nettoyer la chambre. C'est vraiment la base. Et j'utilise ceci aussi. C'est un attrape-poussière avec un manche télescopique. Bon, bref, je vous montrerai tout à l'heure. Et ça attrape très très bien les toiles d'araignée dans les coins en haut. Et c'est vraiment parfait. Et enfin, le dernier produit, donc incontournable, indispensable pour nettoyer la chambre, c'est ceci, donc l'aspirateur laveur. Pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos démonstration, c'est un aspirateur laveur de la marque Tineco. Il est vraiment génialissime. Voilà, je le teste à tous les jours en ce moment. Je peux plus m'en passer. Il est vraiment bien. Donc, j'utilise que ça en ce moment. Je le trouve vraiment hyper efficace et un gain de temps incroyable avec ce produit, puisqu'il aspire et il lave en même temps. Ensuite, et attention, j'utilise pour vaporiser partout dans la chambre, enfin partout sur les textiles, donc sur le lit, sur les rideaux, les coussins. Ceci, ça laisse une odeur super agréable dans la chambre. Alors c'est ce produit que je vous fais gagner aujourd'hui. Je vous en fais gagner deux, même plus précisément. Ils sont tout neufs. Enfin voilà, je les ai achetés moi-même. Hein. C'est des produits que j'ai achetés sur showroom privé il y a un mois de ça. Et en fait, au final, comme vous le savez, je me lasse très très vite des odeurs. Donc j'aime beaucoup celui-là, mais une fois que je l'aurai terminé, j'ai envie de changer. Voilà. Et là, j'ai commandé que les mêmes. Voilà. Donc, tant qu'à faire, si je sais qu'il y en a qui ne les trouvent pas dans leur magasin. Des personnes qui m'ont dit l'autre fois que ça leur plairait, parce que j'en avais déjà parlé, je voulais vous faire gagner ça. Donc, du coup, voilà, je vous fais gagner un lot de deux Febreze comme ça, textile, la nouvelle version, donc qui contient de l'assouplissant, enfin qui a une odeur d'assouplissant. Ça contient pas de l'assouplissant, mais ça a une odeur d'assouplissant. Donc pour la participation au concours, je vous fais ça maintenant. Pour participer au concours, c'est très 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 simple. Il suffit simplement, c'est très très simple, il suffit de mettre un cœur en barre d'infos. C'est tout. Si vous n'arrivez pas à faire le cœur, et moi c'est mon cas avec mon clavier, je n'y arrive pas, vous m'écrivez cœur. Voilà, c'est tout. En bas de la vidéo, mais vous pouvez aussi commenter la vidéo ménage, hein, il n'y a pas de souci. C'est juste que si vous voulez participer, il faut mettre un cœur et ensuite, comme d'habitude, je vais noter tous les prénoms, enfin tous les noms, tous les pseudos des participants. Je vous attribuerai à tous un numéro et ensuite je procéderai donc à un tirage au sort et je vous donnerai donc le nom du gagnant dans une vidéo la semaine prochaine. Le concours dure une semaine, donc jeudi prochain, ce sera la fin du concours. Donc là, vous avez une semaine pour vous inscrire. Je vous laisse le temps. Cool! Tranquille, une semaine pour vous inscrire pour gagner donc deux Febreze comme ceci pour sentir bon dans sa chambre et pour se sentir cosy, cocooning. Alors, en premier, c'est parti pour le nettoyage donc des vitres avec le produit que je vous ai montré tout à l'heure. You on, not looking for something steady, not ready.
passe ensuite à la chasse aux toiles d'araignée parce que il y en a de temps en temps. Comme je le fais une fois par semaine, les toiles d'araignée, elles ont tendance de revenir et je les vois quand je suis allongée sur le lit, je vois des choses qui pendent et c'est clairement pas joli. Donc un petit coup avec avec le manche télescopique et c'est super rapide et super efficace. I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine, show me what you can do. Make a move, the way my hands feel on your body. Je passe ensuite au nettoyage de la télé, il y a toujours de la poussière dessus, donc là c'est pareil, un petit coup de produit universel dessus et ça enlève toutes les traces. Avec le produit donc multi-usage briochin, je donne un petit coup sur le miroir pour enlever toutes les traces. Pareil, il y a toujours des petites traces de doigts, enfin ça doit être mes doigts à moi pour le coup, et donc c'est pas très joli, donc je donne un petit coup rapide pour enlever tout ça. Avec le bicarbonate en spray, je nettoie donc les deux portes coulissantes pour enlever les traces et les marques pareil qu'il y a sur ces portes. Et ensuite donc je passe aux deux tables de chevet, donc là j'enlève ce qu'il y a dessus, je donne un petit coup donc de bicarbonate en spray pour enlever la poussière et les taches. Occupe ensuite du pot de chambre d'Anthony, donc je plaisante, hein. C'est pas un pot de chambre, c'est juste un petit bac voilà en porcelaine pour pouvoir mettre à l'intérieur les petites choses pour la nuit. Donc habituellement il met ses mouchoirs là, ils étaient dans le tiroir, mais voilà, sinon il met ses mouchoirs là, son chargeur, enfin voilà, tous ses indispensables pour dormir. Donc je passe à ma table de chevet, je range le petit bazar qu'il y a au-dessus et pareil que celle d'Anthony, je donne un petit coup donc de bicarbonate en spray partout pour enlever la poussière et des taches. On n'oublie pas de nettoyer donc les télécommandes. Esa canción que le cambió toda la dirección, ya que ese ex no quiere más, no quiere llanto, no quiere nada, quiere gozarla, quiere escapar de lo que era su realidad. Je passe ensuite à la commode avec pareil le produit donc briochin en spray. Franchement, il est super efficace et l'odeur de verveine est tellement agréable. Ça laisse vraiment un parfum super frais dans la pièce et ça enlève toutes les taches. No está puesta para el drama, lo que quiere es gozar, no pecar.
tiramos el sol que está pendiente de la cita. Ah, está malvada y quien la ve tan bonita. Estoy pa' ti siempre, beba. Te amo la noche entera. J'enlève ensuite tout ce qu'il y a au sol pour pouvoir donner, pour pouvoir passer l'aspirateur laveur. Sotilla pa' que respeten. Yeah, yeah, vale más que mis billetes. Y que mi voz lo interprete. Yeah, yeah, yeah. VIP pa' ti, baby, ¿quién lo diría? Todo lo que yo hago por ti. Orgulloso diciendo tú eres mía. Tú lo sabes, baby, baby, yeah, yeah, yeah. Yo mando tu mañana cuerpo besos. Esa sensación tú no la ves. Pero que me llena con exceso más, yeah, y más. Enfin, pour terminer mon nettoyage, je vaporise un bon coup de Febreze donc sur le lit, les coussins et enfin sur les rideaux. J'espère que cette motivation ménage vous a plu, j'espère qu'elle vous a motivé. Je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.